Non, non, t'inquiète. Tu m'envoies un message si t'as besoin. En vrai, ça va. Les diabolos étaient
diabolo était fabriqué en bambou. On les enflammait, ici là, sur les côtés, et on les lançait très très haut, par-dessus les murailles des villes qu'on voulait être enflammées. Un instrument, on les aime le nom. Il est venu aujourd'hui, un instrument ludique. Et vous avez vu certainement bien des gens jouer avec un son, mais qu'est-ce qu'on fait en général avec? Eh bien, on le lance très, très haut en l'air. Et on le rattrape toujours avec une aisance déconcertante qui ne manque pas d'étonner le monde. Mais ce n'est pas tout. On peut faire bien des choses avec ce diabolo. Et je suis là aujourd'hui pour vous faire une démonstration des capacités étonnantes de cet instrument diabolique. Alors attention, on est parti immédiatement pour une série de figures. Alors, est-ce parce que peut-être vous attendiez un super jongleur, c'est ça?
quand tu feras des tours. Non, par contre, j'ai des tours qui sont vraiment très bien, surtout un. Mais je vais faire exploser sur place. Thank you.
maintenant que vous êtes un public particulièrement chaud. Dans l'émotion et l'allégresse générale, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le clown de ce spectacle. Voici sans plus attendre notre ami numéro qui m'a rendu célèbre par le monde et aux alentours. Oui, en fait, surtout aux alentours. C'est un tour qu'on ne présente plus tant qu'il est célèbre et qui va consister dans un instant à rattraper ce diabolo en voyant une attitude extrême à le rattraper, disais-je, avec une seule main et un doigt dans l'oreille. Et toi? Ouais, mon gars. Ouais, super. Bon. Hein? Non, mais c'est ça. Ça fait une petite. Alors, attention, si vous voulez, on va rattraper le diabolo avec une main et un doigt dans l'oreille. Ok, ouais. Non, mais. Ouais, j'ai arrêté de bosser. Je ne vais pas vous obliger en même temps. Il y a des gens qui disent comme ça, ouais c'est bon, le doigt dans l'oreille, c'est bon, ça va quoi. Et puis, ouais, diabolo, je connais, c'est facile. Ah, je suis sûr. Et puis, il y en a même, ils pensent que le diabolo, c'est le plus beau. Pourquoi ça, je ne sais pas moi. Un petit point, deux petits points, un petit point, des petits points. Un peu d'ailleurs, on tire sur la flotte et tout est à refaire, mais méfiez-vous des apparences. Car comme vous le confirmeront les personnes les plus proches, le diabolo est un instrument extrêmement dangereux. Hein mon petit gars? Quelle fois il a tenté de me tuer? Ça s'est passé comme ça. Ah, au secours, mais bon. Heureusement, je m'en suis sorti, mais vraiment, j'ai eu de la chance. Ne plaisantez donc jamais avec un diabolo. Et sachez qu'il vous faudra bien des années avant que cet animal ne vous obéisse. On doit. Ouais, c'est Joël. Moi, il y a une dame aussi, je ne sais pas bien, monsieur William. Non, n'oublions pas pour autant le fameux tour que vous attendez maintenant toutes ces joutes avec une vive impatience. Le fameux tour qui vous a fait venir ici même à Brest, à pied, à cheval, à moto, à vélo, français et campant. Voici enfin, messieurs-là, le fameux rattrapage de diabolo avec une seule main et un doigt d'or. Alors, ma vache, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que Chris était là ou est-ce que Joël était parti? Voici enfin le rattrapage de diabolo avec une seule main et un doigt. Ah ouais, tu veux faire ta boîte, toi? Je suis à la PS, je suis pas tout blanc. Ah ouais? Dans l'handicap, quoi. Ok, ouais. Et il est là! Combien il y en a parmi vous qui pensent que j'ai eu la chance et que je n'arriverai pas deux fois? Ah ben voilà. Non mais je sais, il y a des sceptiques dans le public, c'est comme ça tout le temps. Alors pour vous les sceptiques, j'ai créé le coup antiseptique. Et oui, ça va piquer. Voici sans plus attendre. Le fameux tour que j'ai nommé modestement en hommage à moi-même. Le double accès. Le double accès, bien c'est quoi? C'est très simple, je vous explique. Mais il faut vraiment suivre. Le double accès, c'est un rattrapage du diabolo avec une main, sans les mains. Et les baguettes font deux fois le tour du diabolo. Rattrapage de diabolo avec une main, sans les mains, deux tours. 30%, 40% des spectateurs ont de crédibilité avant leur. Non, ça qui marche pas là. Vous avez un gamin, vous avez deux gamins, alors à deux quoi. Bah, c'est bien, c'est super. C'est là que j'ai ma petite fille. Vous voulez vraiment voir du diabolo sans les mains? Oui. Eh, moi je veux bien, mais c'est pas ce que je fais de mieux. Diabolo sans les mains. C'est vraiment parce que vous assistez lourdement. Mais il va faire après une différence.
Ah, s'il te plaît, tu filmes pas ça, c'est le désolé. Je filme pas, je photographie. C'est un arrêt sur image. C'est pire. Ouais, c'est juste pour toi. Diabolo, sans les mains. Bravo. Bravo. Plus habitué à mieux quand même. Le double accès. Rattrapage de Diabolo. Avec une main. Sans les mains. Deux tours. J'ai dit tout ça. Le double accès. Attendez, c'est pas la souris. T'as rodé à sec. Bon, bah, ça fait plaisir, Maxime. Mais bonne continuation à toi. Et à vous deux. Et à vous quatre. À jongler avec ses trois torches. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Là, ce sera un peu compliqué. Cependant, je vais réaliser cet exercice avec les yeux bandés. Vous comprenez bien que ça complique un peu la fête. Alors, pour le bon déroulement de ce numéro, j'aurais besoin de l'assistance dans le public. Je vais t'expliquer ton rôle durant ce spectacle. Alors, comme tu le vois, j'ai trois
lui, ça plante. Je vais évidemment c'est trop cool, en vrai. Non, mais je te dis pas ça. Pas chose bizarrement, toi. Pas chose bizarrement. Je sais pas, ils le prennent une trace solo. Non, mais ça allait prendre une race. Alors, je vais rajouter par sécurité quand même, parce que les gens, ils sont suspicieux. Et ils savent très bien que c'est quelqu'un. Et tu vas me dire, Camille, avec ce bandeau, est-ce que tu vois quelque chose? Thank you.
je sais pas si c'est hein. Non, elle va lui donner, je crois. On est parti, Camille, c'est à toi. 1, 2, 3, 4, 1, 8, 9, Camille. Les lunettes, Camille. Qu'est-ce qui se passe? Camille, tu t'es là, t'as un bon mec. Tu vas si trop fou sur le t'avais dit que t'étais intelligent. Tu vas laisser se poser, c'est pareil. Oh, attention. Oh, Camille, s'il te plaît, tu te concentres, tu te ramasses et tu la remets dans les mains. Et tu constateras qu'à debout, elle danse. Tu me la donnes par le bout d'une épaule forte.